Je voulais que t'apparaisses, Bloody Mary. Pardonne ma paresse, mais ce sera Marie. Avec joué CNDS, mais je vais pas la marier. Je vais pas sauver la princesse. Anyway, je suis off à Marie. Les garçons, j'en ai 25. What's poppin', Filigrane aka Filler Nooch. On est au Bootlegger l'Authentique pour le Word Up X, saison 2, épisode 3. Quand je dis Word Up, vous dites X, comme X, mais en anglais. Word Up! Yes! Il y a une personne qui a dit X, man. Je le prends personnel. It was me. Full battle going down. Ça va être tendu, on a une humoriste contre quelqu'un qui a pas été accepté à l'École nationale. That's why I'm retired, man. Je suis deadly with the venom. All right. Pour l'occasion, quand je dis word up, vous dites lol. Word up! LOL! À ma droite, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, Coco Béliveau, Acadie Represent. Oh, yes! Moi, j'ai rien à dire, je fais sûr de pas t'enfarger dans tes babines, bitch. À ma gauche! Oh my fucking god. Oui. Oh, fuck. Oh, l'homme au milliard moche, je te laisse te présenter. Ah, la sauge, oui! Ça marche, on salve. Wow! Gas, man! Pour tout le monde aux auditions. J'avais acheté une canne neuve juste pour l'occasion aussi. 3-0. C'est comme ça qu'on fait une intro. On n'est pas au Centre Bell, je suis pas l'art, j'ai pas la pyrotechnie, le financier, le budget. Hein. On inverse les mots. Yo, quand je dis onomatopée tronçonneuse, on dit vuns, vuns, vuns. Onomatopée tronçonneuse. Vuns, vuns, vuns. On deal with it. Je suis encore choqué de cette intro. Je vais te laisser choisir le pile ou face parce que t'as gagné l'intro. Pile ou face? C'est face. Tu commences ou elle commence? Alright. Coco, it's on you. Alright. Julien Vernetti, le M&M du BC. Vomit sur ton sweater already. Combo moche spaghetti. Come on, man. Tu dis des shit whack pendant que je pite des rimes acadies comme Slim Shit Diac. Like, will the real bad bitches please come back? Yo, bitch, t'habilles comme un hacky sack. Jules Verne, Chris comme James Bond, que c'est 007. Pas de bon bitch, so sus ma blette. Appelle-moi quand t'auras écrit un bon 5 minutes. Oh, puis tu tiens avec Speedsman? C'est fucking triste. Cause deux gars, moitié drôle, ça fait pas un plein humoriste. On dit que tout le monde va à son propre rythme, on va se le dire, man, tu vas pas vite. Tu veux mes XOX comme tic-tac-toe, but tu rap trop slow, pis ton game est off comme Julien fait la croix. Sur ta carrière, Julien perd, Julien erreur majeure, Julien à quoi ça sert? T'es juste un beau corps avec un masque de corbeau. Tu dis des cacas. Tu dis des cacas comme une crow. Une chance, tu caches ta face quand tu joues au piano. Come on, man, leave us alone. T'as des doigts, t'es trop long comme E.T. Phone Home. T'es plus cromagnon que le père à Chrome. Je pense que t'as un 13e chromosome. 13 chromosomes? 13 chromosomes, c'est pas assez. Puis by the way, man, what's up avec tes lèvres? Sont boursouflées. T'as l'air d'avoir niqué un nid d'abeille, la seule affaire qu'on en connaît. Commun, c'est que nos lèvres sont pareilles. You got vagina mouth, bitch. Oh! Fait que yeah!
Il y a une couple de semaines, j'ai assisté à son premier One Woman Show, histoire de me faire ma propre opinion. Puis for real, je dois dire, j'étais vraiment déçu. Yeah. Je voulais arrêter de sleep sur elle, mais la veille, j'ai fait vraiment trop de champignons. C'est ironique, je me suis endormi drette au début. Puis je pense que j'ai eu des flashbacks hallucinogènes durant son show qui se nomme LED. Je me croyais au Festival des Lumières, il y avait juste ça dans la salle qui shinait des grosses LED. Yo, 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 yo. Yo! Oh, puis fuck it, for God's sake! Fait que c'est quoi ça, hein? Une ex grosse qui est lette? Une baleine échouée sur la plage de la honte? But don't twist my word, parce que physiquement elle est belle, mais. Elle a nourri l'ambition de se perdre de poids par rapport à son jugement paranoïaque des autres, so. En tirant les cartes de mon jeu, j'ai peur de mal tirer les ficelles, vu que je me sens comme Jack Black un peu dans le film Hal le superficiel. Parce que le crowd s'attend à ce que je fasse du sale pis que j'ai pas de classe. Mais si je supporte Coco sur mes épaules, le monde peut voir Handle Around comme si j'étais Atlas. Fait que toi qui gagne, c'est impossible que ça se passe, mais ça reste atterriste parce que j'ai peur qu'on m'associe à un tueur en série. T'es la troisième que j'assassine, mais regarde bien, fille. Le pire qui peut t'arriver, c'est que tu me punches trop hard pis que je m'agrippe trop fort pis que. À ta poitrine, pis ça marque les épines. Tu joues avec ton poids comme. Yo, tu joues avec ton poids comme un fucking boomerang. Tu penses avoir la précision de maître en homme aide, mais y'a juste quand tu grimpes sur une balance qu'on peut voir une aiguille se promener de from left to right. Time. Je parle de boom bap, papa poui. D'habitude, je dis des sweet shit comme Joe Louis. Pas besoin du Louis Vuitton sous mes souliers. J'ai le monopole I. Veux-tu jouer? Que si tu vas à ta carte, il faut que j'y demande de te booker. Puis je pète tellement souvent, tu vas avoir besoin d'une bouée. Mon flow est tellement sick qu'il te fait tousser. Oups, tu t'es souillé. Va tes pants étaient déjà wet que son vagin est mouillé. Like, fuck you, bitch, I'm gonna eat you alive. La seule affaire que je vais pas manger, c'est ton dick puis ta face. À cause, je vais dick slap sur un Facebook live puis te face fuck sur mon Instagram. Everybody knows pretty boy suck. J'ai la charge mentale, mais j'ai pas de plug. Pas pour toi, je vais te trouer comme une paire de crocs. Arracher le top pis te virer en Birkenstock. T'es monotone, tu cries sur la même note. T'es tout le temps en train de crier. Et où la plot? On commence à se demander qu'est-ce que tu tricotes, man. Ton propre dick, c'est un coq bloc, t'es pas de taille. Avec juste une blague, je paye mon loyer, mon wifi pis la poudre à sky. Like, who's this? La poudre à sky, like who's this guy? Jesus Christ, tout le walk c'est white. Sorry, don't more, you must be this tall too wide. Le walk c'est comme white, guys, please come inside. Le walk c'est comme white, guys, please come inside. J'suis à peine capable de te recognize. Un Shazam pour les faces, ce serait fucking nice. Puis changer de style, ce serait fucking wise. Fait qu'il y a une couple de mois, on m'avait offert le Jico, mais j'ai drop a classic with witness, pis ça, c'est une promotion. Mais là, c'est sur moi que tu tombes, Coco, pis me battle, c'est un calice de casse-tête, pis ça, c'est une commotion. Fait que vous me verrez pas faire des jokes du genre comme « Bitch, retourne dans la cuisine! » Le slogan de ton show, c'est « Est-ce que la beauté est une bénédiction? » I don't know, Coco, mais s'il faut que je le devine, parce que déjà en partant, dans ton cas, c'est mort dans l'œuf, même avant que tu droppes la sauce. Bénédictine? Ça voulait rien dire. Pis yeah, j'étais refusé à l'école de l'humour, mais life's pas un battle show, case du word up ou zoo festo. Peut-être qu'il était de la plus drôle pis toute, mais une chose est sûre, c'est que je suis tabarnaklement plus poète. Fait que, to be or not, Toby McGuire, quand je drop... mes rounds sur la toile. Tantôt, t'as ouvert le bal, mais là, la chienne drop the ball. To be or not, Toby joueur étoile. Oh, puis fuck it. Quand ma voix s'élève, tes ovaires cèdent, toute forme de résistance, ton petit clit s'émoustille quand mon big dick energy pénètre les forêts vierges, ton existence. Oh, oh ça c'était deep, ça crispement pas de sens. What the fuck? Puis même quand le vent tombe, tu ressens les fantômes de mes hurlements, mais fais-toi-en pas, même le battement d'aile de l'effet papillon dans le ventre se transforme en brûlement d'estomac.
Fuck! La time. Attends! Le troisième et dernier round. Quand tu veux. Je connais la valeur de X. Il m'appelle Pythagore. Le phalange, tu vas avoir baisé, bitch, c'est ton angle mort. Pendant que tu ride around dans ton corbillard. No ghost riders, just ghostbusters, but y'all. But who you gonna call when I bust your balls, hein? Moi, quand je jute, c'est pas ma bouche, ça sort. Je crache de l'or. Je spit comme le roi Midas, juste des bars. Tu spit gelé comme un Mickey Linoz. Puis tu fais des faces comme Nicky Man, fais le ménage. Comme qu'est-ce qui se passe, man? Agis ton âge, pas ta size de shoes. J'ai tellement run, mes pants sont rendus loose. Mais s'il me donne une ceinture, je la serre autour du cou. Ça va être ton seul vrai gag avant que tu vois flou. You know what? You know what? Fuck you! You know what? Fuck you! Puis fuck ta crew et tout. Vous êtes juste des basic dudes qui bandent sur l'idée de moi qui lose. Puis qui pensent que je joue au rap. Puis qu'il faut que je me prouve. Tu penses que je joue? Damn right! Je suis on stage every night. Je joue bitches que je suis fucking funny. Je joue les cartes, je suis dealt and I'm in the running. Je vais être la première femme avec la belt en ciel. Let's go! Yeah, je ride sur ta wave. Puis by the way, thanks pour les views puis la visibilité. Comment tes verses, c'était fucking cute, la manière t'es hospité. Puis j'aime les femmes comme j'aime mes cheveux. Indiscipliné. Pis yo, dans ton show, tu dis t'es une pansexuelle féministe. OK, malgré les pénis. Yo, j'ai rien à dire là-dessus, c'est all good pis c'est chill. Mais en tout pis moi, fuck tout ce qu'ils t'ont dit. Fuck les gossips, t'aimes pas les dicks, pis tu verras jamais l'ombre de mon dit. T'as perdu tes boobies à cause de maigri, fuck un 2D. 2020, j'ai perdu. 2020, j'ai une vision claire du futur. T'es une next big bitch, je suis le next big shit, ça crève les yeux. Fuck un 3D. Yo, je suis out of this world, rencontre du quatrième type. Je te fais perdre la notion du temps, je te fais fuck avec ton quatrième D. Yo, je suis sur un autre level, je fuck juste sur la fifth dimension. T'as dit à Félix Bellefleur qu'il était hétéronormatif for no reason. Une autre queer qui se victimise just to get reaction. But yeah, I guess I can get it vu que je fuck pas sur la fifth dimension. Yo, est-ce que tu penses que tu peux vraiment faire avancer le dialogue en créant un faux fossé entre l'évolution, la pensée et les dogmes, ce qui est supposé être censé et les normes pour une société où tout se peut porter des robes ou whatever the fuck, sans se faire observer crash, pouvoir sortir dehors, sans que l'anxiété cogne à ta porte comme un témoin de Jéhovah, yeah, je sais que je sonne incohérent pis que le quad s'attend à du sale, etc. Mais ça me tente de porter un message, moi je m'en sac, je m'en branle, tu sauras. Yo, what the fuck, c'est ben wack, qu'est-ce que je dis là? Yo, vous voulez des jokes du nord ou du sale, hein? Ma gang de crétins, yo, on parlait de migraine, mais quand je te regarde, no doubt que slack ton vagin, c'est blad, too bad, elle sent rien, si le sexe est out of this world, c'est parce que quand je la fist fuck, hostie, je flotte, mon bras, c'est le bras canadien! Oh! On s'en va voir les juges! Yeah, faites courir pour les MC! Yeah. Hey, on fait flash! OK, so c'est piqué pour le battle Burns contre Coco. Écoute, c'est un gros battle. Le meilleur battle que les deux ont fait, écoute, Coco a fait meilleur que je pensais qu'elle était capable de faire. C'était A+ de A à Z, des punches du gros flow. Il n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté, c'était... Écoute, j'ai été choqué par sa performance. En même temps, Burns a fait son meilleur battle aussi. Je pense que les deux ont fait leurs meilleurs battles à date. Je pense que c'était un très beau battle. Je pense que où est-ce que Burns a stumble a fait la différence au bout de la ligne, puis c'est triste, mais Coco, elle a kill ça. Elle a kill ça, c'est facile. Elle a gagné, mais encore une fois, je maintiens à dire que Burns a fait son meilleur battle. T'as trouvé la voie, continue comme... Applique-toi là-dedans, puis tu l'as. Donc, Coco a gagné, mais good battle. Yeah. Yo, what up? Yo, y'a aucun doute, Coco Béliveau, man. Coco, elle a dead. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Verms, je me sens quasiment mal de pas mal, mais tu sais, je juge le battle, puis je l'ai battle au dernier event, vous savez sûrement. So, moi, j'étais vraiment, vraiment hype à voir Verms. J'étais très, 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 très hype, puis je suis content d'avoir vu que il s'est pas laissé abattre par une performance hors pair de Coco.
Et de tout ce qu'on a vu au X à date, sérieusement, je pense que Coco, elle a fait dans les meilleures performances du X, sans aucun doute. Top 3 performances, c'est débattable, mais yo, that was insane. L'énergie qu'elle a pris, le stance qu'elle a pris, la violence qu'elle y a donné, le cleverness sur les lines, les jeux de mots, tout, le real talk, le... Regarde, quand le moitié-moitié, ça fait pas un plein humoriste. Bro, that was insane. Verns, je suis très impressionné. Sérieusement aussi, qu'ils reviennent encore. Il y a eu de la... Yo, sérieusement, Verns a réussi à relever un gros défi, là. Il y a bien des MCs qui seraient tombés à ce moment-là. Damn, that was insane. Insane battle, big up aux deux. This judging is brought to you by G2G Studios. Bitches. Coco contre Verns, fou battle pour démarrer la soirée. Premier round, Coco, le bar, c'est comme toi puis Speed ensemble, ça fait un bon humoriste, that was fire. Verns, les grosses LED, LED, that was fire. Je donnais le premier round à Coco. Deuxième round, Coco pourrait payer la poudre à Sky, puis Don't More, gotta be this high to ride, that shit was fire. Verns, les bars de 2B, Toby, shout out à Air Bud, ça c'était fire. Je donne quand même le deuxième round à Coco. 2-0, Coco, rendu là. Troisième round, Coco, elle avait des bons bars. Encore une fois, je te ferais gag avec la ceinture, c'était fuego. Mais son round, je trouve, il a fini assez sec. Son troisième round, il était moins long que les autres. J'en aurais pris plus. Puis Verns... je lui donne le troisième round, le Fifth Dimension, j'ai bien aimé. Mais pour la constance au troisième round, je lui donne Coco, elle a cut short un peu. Mais je le donne quand même 2-1 à Coco. Puis je crois qu'elle a fait preuve de comme plus de constance. Elle a été en feu du début jusqu'à la fin. Elle a eu une belle énergie. Excellent crowd control, elle a fait réagir. Verns, il y a eu quelques slip-ups qui lui a fait perdre du momentum. So je le donne à Coco. Hein? Mon premier body bag! Fait que là, je juge le ballon de Coco et Verns. Je l'ai donné à Coco à l'unanimité. Je vais pas vous break down ça round par round, je pense que c'était assez clair. Verns a jamais repris le contrôle du crowd, il a jamais repris le contrôle de la situation. Coco est en contrôle de A à Z. Juste pour ça, elle a gagné le ballon. Si tu veux gagner, man, faut que tu contrôles la situation à quelque part. Si tu contrôles jamais la situation, c'est évident que t'as perdu. Comment est-ce que Verns aurait pu contrôler la situation? Je pense qu'il est allé chercher des angles trop compliqués pour rien. Il aurait pu garder ça simple. Honnêtement, tu ballons une femme, insulte-la sans être misogyne, je pense que tu peux gagner. C'est quelque part là-dedans, là, ta stratégie de victoire. That's it, man. On va regarder ça simple. 3-0 Coco. Verns s'est bien défendu, il cherche encore son style, c'est un peu évident. Yo, garde ça simple, mon gars, man. Simplifie tes shit. That's it. On est de retour avec la décision des juges. C'est unanime, 4-0. Faites du bruit pour Coco!